obsession de la santé, mais réduction mécanique de la santé. C'est-à-dire la santé n'est plus un état général, c'est la bonne efficacité de chacun des organes du corps. Alors on dit se préoccuper de la santé. C'est vrai, chacun a une peur terrible de vieillir. Chacun une peur. En fait, l'idée de vieillir, on a peur, on a l'impression de devenir un déchet. Hein, c'est dans une société qui survalorise la jeunesse, dans une société qui dit après 40 ans, t'es foutu, à moins que t'aies des pilules qui te permettent de fonctionner encore. Et bien, dans une telle société qui a congédié les différentes étapes de la vie pour survaloriser la jeunesse au point où des gens décident de s'infliger des chirurgies incroyables pour donner l'impression qu'ils sont encore jeunes alors qu'ils donnent simplement l'impression de se momifier. Et je crains cette société, quant à moi, où les gens vont avoir cherché de très narcissique, très égocentrique, très replié sur eux-mêmes. Là. J'ai un petit bobo, j'ai une petite fente, j'ai une petite tride. Bon. Mais à travers ça, des gens qui sont incapables d'entrer en relation avec l'autre, des gens qui sont incapables d'entrer en relation avec une famille, des gens qui sont incapables d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes.